J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 29 octobre, ouverture de mon cadeau du calendrier Halloween fait par Carole. Carole fait son scrap à thème. Je suis avec Calvin. Tu dis bonjour, Poussin. Bonjour. Voilà, je vais récupérer mon troisième bébé. Donc, mon mari est parti la récupérer à Nancy. Donc, elle avait des partiels cette semaine. Et donc là, la semaine prochaine, elle est en vacances, en pause pédagogique, comme ils appellent ça à l'université. Donc du coup, la famille sera réunie au grand complet à partir de d'ici une demi-heure parce qu'il est midi moins 20. Voilà. Et puis cet après-midi, nous partons quelque part, mais je ne vous en dis pas plus. C'est un secret. Ouais, c'est un secret. C'est un secret. Allez, Poussin, tu montres le petit chat et tu me donnes mon indice du jour. Voilà, ah, le petit chat. Ah, il y a Astros. Ah oui. Ah, il y a Astros au fond. Alors, on vous montre le petit chat du jour. La fin approche. Un petit chat noir, des taches blanches et un strass. Il est trop, trop beau. Moi, j'adore les strass. Tu me donnes mon indice? Je te donne ton indice. Voilà. Attends. Hop, j'ai jeté le... T'as jeté le trombone, c'est pas grave. Alors, jour 29, indice 29. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cette chose que porte Frida autour de son cou est pour toi. Le chat dit, une autre cousine de Paulette. Paulette? Paulette, la sorcière. Ah ouais? L'année dernière, maman, elle tournait ses vidéos, il y avait Paulette la sorcière. Donc là, j'ai mis en déco dehors. Donc voilà pour mon indice du jour. Donc la Paulette, elle est dehors, donc vous ne la verrez pas. Mais vous avez sa cousine Huguette qui est juste là. Huguette? Alors, ça doit être une autre sorcière. Alors, cette chose que porte Frida autour de son cou est pour toi. C'est qui, Frida? C'est dur, tes indices, ma Carole. C'est dur, je suis vraiment nulle. Montre. C'est pas lourd. J'ai peur de casser. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Allez. Dans la logique, autour de son cou, on porte un collier. Je sais pas, une cravate. J'en sais rien. Une écharpe, peut-être? Une écharpe? Ah bah oui, autour du cou, une écharpe. Bah, ouvre. Voilà comment ça se représente. Un cadeau dans un cadeau. Alors. Continue d'ouvrir. Oh, des petites sorcières. Il y en a une. Oh, ah, mais c'est pas un crayon. Ouais, c'est un crayon de papier. Donc là, on a une... C'est excellent. On a une petite sorcière au sommet du crayon. Vous voyez, elle a les pieds dans le vide. Regardez la tête qu'elle fait. Elle est trop belle. Alors, et attends, pousse à deux secondes. Je la montre correctement. Voilà. Donc, un crayon avec une petite sorcière, avec de belles bottes. Ensuite, alors, une autre sorcière avec un petit chat. Là, il y a un petit chat. Là, on a un... Attends. Un chat. Ah, en fait, elle a un bracelet autour de son cou. Donc, c'est pour ça que c'était marqué dans l'indice. Cette chose que porte Frida autour de son cou est pour toi. Donc, elle s'appelle Frida. Elle est trop belle, cette sorcière. Elle est trop jolie. Alors, je vous montre la sorcière en détail et ensuite le bracelet. Maman? Oui. Ah, celle-là, elle est trop drôle, celle-là, la sorcière. Le crayon, elle est belle. Non, j'ai dit que c'est trop drôle. Ah, ça y est. Alors, je viens de comprendre. En fait, vous avez une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher et faire comme si elle était en train de voler. Voler. Voilà, la petite sorcière qui vole sur son balai. Donc, elle est toute vêtue de bleu. Voilà, elle est trop, trop belle. Regardez les détails sur le visage. Donc là, on a son petit chapeau. Voilà, sa tête avec ses cheveux. Là, les cheveux secs. Hein. Je vais lui faire un petit soin. Ensuite, donc, sa petite robe avec la cape. Son balai. Ah, je vois, regarde, je vois, ses pieds. Je vois un bout de son balai. Ouais, ses pieds et puis sa robe. Ah, je savais pas. Avec des reflets holographiques. Je savais pas qu'elle avait une robe. Si, si. Vous voyez, on a un petit peu de dentelle noire au bord de sa robe. Et elle a des reflets holographiques, je sais pas si vous allez voir correctement. Oui. Hier, j'avais oublié d'accrocher le petit chat là-bas. Ah, c'est pas très grave. Et donc là, on peut la suspendre. Et faire comme si elle était en train de voler. Elle est trop belle, ta sorcière. Donc là aussi, on va l'accrocher pour décorer pour Halloween. Elle est trop belle. Donc la petite sorcière en déco. Et ensuite, mon bracelet. Donc voilà comment ça se présente.
C'est pour toi le bracelet. Oui. Je croyais que c'était pour la sorcière. Non, non, c'est pour moi. Vous voyez. Tu l'as mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Je le prends dans le bon sens. Voilà, avec un petit chat. On a l'impression que c'est des rideaux store et qu'il est coincé dedans. Montre. Ah, en fait, on voit pas son... Son bidou. Son bidou. Et on voit que les pattes et la queue. Et la tête. La tête, le chat et les oreilles. Trop, trop beau. Ah, on voit ta montre chat. Ouais. Magnifique bracelet. Bon, j'ai essayé de le mettre seul, mais à une main, c'est pas évident. Donc là, vous le verrez comme ça. Mais en tout cas, il est superbe. Superbe, superbe. Magnifique bracelet. Merci, ma Carole. Encore une fois, bien gâtée aujourd'hui. Très, très joli cadeau. Donc, avec cette petite sorcière sur son balai, le crayon sorcière et le joli bracelet chat. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. En attendant, celle de demain, l'avant-dernière déjà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous passez à table. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao !